comment le groupe canadien Bombardier a aidé Moscou à contourner l'Ukraine. Le nouveau chemin de fer russe contournant l'Ukraine, dont la construction a été lancée en 2015, a été mis en place avec l'aide du groupe canadien Bombardier. Le groupe canadien Bombardier a aidé la Russie à construire un chemin de fer contournant l'Ukraine voisine, relate le journal The Globe and Mail citant le vice-président du groupe Olivier Marcil. Selon ce dernier, Bombardier a remporté un appel d'offres du gouvernement russe pour un montant de 8 millions de dollars. Monsieur Marcil souligne qu'il ne voit pas de problème au fait que son entreprise ait pris part à ce projet. Après tout, le chemin de fer est à 100% situé sur le territoire russe et pas sur les territoires disputés de l'Ukraine. Dans le même temps, la voie était destinée à l'industrie civile et devait faciliter la livraison de cargaisons et le transport de passagers de Voronej à Rostov, a fait savoir le responsable tout en soulignant que Bombardier n'avait pas violé le régime des sanctions anti-russes. Avec l'éclatement du conflit dans le sud-est de l'Ukraine, la Russie a pris la décision de construire un chemin de fer contournant le pays voisin. La construction a débuté en 2015, alors que le transport de passagers n'y a commencé qu'en décembre 2017.